Bonjour à tous, il est question aujourd'hui des Gardiens avec la Galaxie réalisé par James Gunn, qui est sorti le 13 août dernier dans tous les cinémas équipés. Aujourd'hui, c'est donc un bon film, vraiment un bon film dont on va parler. Agréablement surpris, le jeu d'acteur est génial, les personnages sont géniaux, l'ambiance, la musique, tout est super. Franchement, c'est. J'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru vu la bande-annonce, je me suis dit ouais on va avoir un film médiocre de super-héros avec des effets spéciaux, ouh, mais non. Pas du tout. Le film est très bien. Est vraiment très bien. Alors l'histoire c'est celle de Peter Jason Quill, qui est un terrien, terranien, comme il l'appelle, qui est joué par Chris Pratt, qui va jouer dans le futur Jurassic Park World en 2015. Il a d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a dû perdre 40 kilos, je crois, truc du genre, pour se muscler. Hein. Il a dû suivre un régime spécial parce que, voilà, je trouvais ça marrant. Donc, il est enlevé par des extraterrestres au jour de la mort de sa mère qui a été malheureusement atteinte d'un cancer. Oui, c'est le moment super émotion du film. Putain, un film qui commence comme ça, j'avais plus vu ça depuis là-haut, le Pixar. Que je conseille. Donc il est enlevé par des extraterrestres. Alors là, boum, on nous fout le logo Marvel. D'habitude c'est l'inverse. Et on voit le générique qui apparaît pendant la séquence de l'introduction. Contrairement à d'autres films où on met le générique après. Mais ici c'est vraiment au cœur de l'action. On suit donc Star-Lord qui va voler une orbe pourchassée par les hommes de Ronan, le méchant du film joué par Lee Pace. Il va aller essayer de la revendre, et là il est pourchassé par deux chasseurs de primes, Rocket, Bradley Cooper, et Groot, Vin Diesel. Là aussi il est pourchassé par la fille de Thanos, qui n'est autre que Gamora, qui a trahi les siens, et qui veut l'orbe à tout prix pour la revendre ou plutôt la donner à un acheteur potentiel, qu'on découvrira plus tard dans le film, mais je vous parlerai de ça plus tard. Donc ils sont malheureusement tous les quatre arrêtés et se retrouvent dans une prison de haute sécurité. Par chance, Rocket s'est déjà évadé de 26, 20, 20, 22 prisons. Donc, ça tombe bien. Alors, là, il rencontre Drax, un tas de muscles qui fait un peu peur quand même, qui veut tuer Gamora parce que, en fait, son père, donc Ronan, a tué les siens, donc sa femme et sa fille. Donc, il se dit qu'en faisant ça, il va se venger et il va pouvoir donc. Bah, se sentir mieux. Mais il découvre au fur et à mesure que Gamora n'a rien à voir dans l'histoire et il se lie d'amitié avec les quatre autres et devient donc les gardiens de la galaxie. Donc c'est composé donc de Star-Lord joué par Chris Pratt, comme je l'ai dit, Zoe Saldana qui joue Gamora qui a déjà fait des excellents films comme Star Trek de J.J. Abrams ou le Avatar de James Cameron. Vin Diesel le fait donc Groot, il fait sa voix naturellement, il a déjà joué dans Riddick par exemple, Bradley Cooper fait Rocket, il a joué dans Limitless au Very Bad Trip, et Drax n'est autre que le catcheur Batista. Voilà. Donc le film est très très agréable, je ne peux que vous le conseiller, parce que la musique déchire, parce que les acteurs déchirent, parce que le film est juste un pur bonheur pour les yeux et pour les oreilles. Donc, si vous aimez les super-héros un peu différents de Marvel de d'habitude, regardez les Gardiens de la Galaxie. Verdict, 8,5 sur 10. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde!